Bonjour à tous, Alain Bollet, président de la course à travers Puy, depuis je pense environ une dizaine d'années. C'est une course qui, la première édition a démarré en 1985. On est une équipe au comité, nous sommes 7. Le jour de la course, on a 70 bénévoles qui travaillent, 40 protection civile et 15 de la police. Depuis 1996, nous sommes déplacés ici au prieuré. Et à ce moment-là, on n'a fait que grandir. Chaque année, on a eu beaucoup plus de coureurs, beaucoup plus de monde. Et on arrive actuellement environ à 1800 coureurs, tout âge confondu, qui participent à cette course. Cette course, elle est ouverte à tout le monde, aux petits. Les premiers, c'est 4 ans, et ils peuvent courir avec leurs parents. On a un petit tour où les parents sont autorisés à suivre les enfants, et jusqu'à l'âge qui nous permet de courir. Donc là, c'est vraiment une course populaire. On a un petit parcours qui tourne vraiment au centre de Puy, pour les petits, où soit ils font un tour, soit ils font deux tours, en fonction de leur âge. Après, nous avons un parcours qui s'appelle Courir pour le plaisir, qui fait environ 4 km 300. Où là, c'est vraiment tous les âges peuvent s'inscrire à ce parcours. Et après, nous avons le parcours des 10 km qui monte, pour ceux qui connaissent, qui vont jusqu'au terrain de foot de Rocheta pour revenir au centre du village. Ce qui est attractif aussi avec ce parcours, c'est que les coureurs, ils passent trois fois sur la ligne de départ, et les gens qui sont là peuvent les voir sans les voir partir et ne plus jamais les revoir jusqu'à l'arrivée. Donc ça donne une animation intéressante pour tout le monde. Notre force, comme j'ai dit, 1800 coureurs, mais il faut savoir que c'est quasiment 1100 à 1200 enfants. Donc c'est ça qui est génial. Et ouais, ça c'est vraiment ma fierté, c'est ces gamins qui courent.